Bonsoir les amis. Connectez-vous. Connectez-vous les amis. Comme d'habitude, il faut inviter les gens. Il faut inviter les gens. Et donc, encore 2 minutes. Et je suis à vous. Merci. Bonsoir, bonsoir. Je sais que nombreux sont impatients, mais voilà, c'est ça les règles du jeu. Lorsqu'on fait le direct, c'est parce qu'on veut parler aux gens. Donc, on va pas faire un direct dans le vide. Il faut quand même inviter les gens à qui on veut faire passer ce message. Donc, apprenons à être patient parce que souvent les gens quand ils se connectent sur un direct, ils veulent que tout soit dit à la minute et voilà. Tout est dit, il a tout entendu et voilà. Likez et il se barre. Voilà. Déjà merci d'être là. Et puis voilà, encore 1 minute et je finis, je suis à vous. Le Congo moke, Zali Congo monene. Nakamboka ti yamboka. Encore 2 personnes et c'est bon, je suis à vous. Bonsoir, bonsoir le Congo. Les Congolais sont en train de fêter ce jour, les 61 ans de l'accession à l'indépendance. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Et c'est ensemble qu'on doit mettre fin à cette comédie-là et décider de ce qu'on doit faire. Parce que à 61 ans, on est un adulte réfléchi. Ça, c'est selon moi, hein. À 61 ans, on est un adulte réfléchi. On a eu ses enfants, on a même fini. On prépare déjà sa retraite. Et voilà, la courbe, elle descend à 61 ans. On ne redevient pas, mineur. Donc, mais par rapport à la réalité que vous et moi, nous connaissons sur le terrain, nous savons très bien que nos pays, que toute l'Afrique francophone, aucun état de l'Afrique francophone n'est indépendant. Nous le savons. Donc, jusqu'à quand allons-nous continuer avec cette mascarade de fête des indépendances, voilà quoi. Jusqu'à quand ça doit durer? Allons-nous continuer à se prêter à ce jeu-là? Parce que eux, la France est contente, hein. La France est contente quand nous passons notre temps, nous débloquons beaucoup de sous du trésor public de nos pays pour célébrer, pour préparer les festivités liées à ces accessions à l'indépendance. La France est vraiment contente. Mais nos pays vont-ils continuer à dépenser autant d'argent? Voilà, on va arrêter un peu ça. Et voilà, nos pays vont continuer à dépenser autant d'argent pour entretenir ce cinéma, cette comédie. Et voilà, nous le savons tous que voilà, ces indépendances ont été des indépendances sur papier. Donc, de quelle indépendance parlons-nous aujourd'hui en plein 21e siècle? On n'est plus bête, plus personne n'est dupe. On vient nous parler d'indépendance. De quelle indépendance? Hein? De quelle indépendance? Lorsqu'on n'est pas capable de fabriquer une monnaie, notre propre monnaie, et que nos pays, les 14 pays de l'Afrique francophone, sont obligés encore
d'utiliser le franc CFA qui est fabriqué ici en France à Chamalières. Et que ces pays sont dans l'obligation de verser à la France un impôt tous les ans. C'est des millions. C'est des millions. Hein? Près de 400 millions de dollars que nos États doivent verser à la France tous les ans pour payer cet impôt-là à la Banque de France. Et vous appelez ça indépendance? Hein? Déjà l'indépendance économique. Économiquement, nous ne sommes pas indépendants. Voilà, politiquement, nous ne sommes pas indépendants. Si c'est la France qui doit chaque fois valider la candidature de celui qui doit diriger nos pays. Et voilà, vous-même, vous voyez comment tous ces hommes politiques font la courbette ici à la veille des élections pour avoir juste l'approbation, le soutien de la France. Hein? Pour espérer être président de la République, tu dois venir signer des contrats avec la France. Donc déjà, politiquement, nous ne sommes pas libres. Sinon, il n'y aurait pas la longévité de nos chefs d'État au pouvoir. Ce ne sont pas des hommes, ce sont pas les seuls hommes qui peuvent aujourd'hui, quand je vois Sassou Nguesso au Congo, Paul Biya, un mort vivant au Cameroun, Ali Bongo, un handicapé au pouvoir, franchement, c'est parce que ce sont les seuls hommes qui sont capables de diriger nos pays, ou tout simplement parce que indépendants. Nous ne sommes pas politiquement, nous ne sommes pas politiquement indépendants. Et chaque fois, ça doit passer par la France. Et chaque fois, on a le besoin du quitus, de la validation de la France. À un certain moment, mes amis africains, il faut que ça s'arrête. Voilà. Donc, j'ai pas commencé encore mon direct. C'était... voilà, j'étais en train de m'entraîner pour essayer de vous occuper et pour que vous preniez déjà le goût d'être dans le direct. Et puis, voilà, je pense que j'ai invité un minimum de personnes. J'ai pas réussi à inviter tout le monde. Donc, je vous laisse vraiment ce devoir-là, ce leçon de partager. Et voilà, il faut qu'on se parle. Aujourd'hui, on a des réseaux sociaux qui nous permettent au moins d'échanger et de se parler. Donc, voilà, si on n'est pas capable de partager les messages, hein, c'est que c'est vraiment de la mauvaise foi et de la méchanceté. Soyons pas étonnés que nos pays, voilà, on n'est toujours pas libre. On n'est toujours pas libre. On est toujours esclaves. Eh bien, voilà. OK, ben, je vais m'arrêter là, il y a quand même 20 personnes. OK. En tout cas, bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir. Bon, ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maman Grâce. Hein. Je suis la voix autorisée du Kwilu parce que je suis une princesse du Kwilu. Avant d'être congolaise, je suis une princesse du Kwilu parce que le royaume Luango a existé avant la République du Congo. Donc, voilà, et je suis la voix des sans-voix du peuple congolais épris de justice, de changement et de liberté. Parce qu'au Congo, comme vous le savez, il y a la dictature, la tyrannie. Nous sommes sous un régime tyrannique, totalitaire. Et voilà, les gens n'ont aucun droit, mais il n'y a que, ceux qui nous dirigent qui ont des droits. Le droit notamment de voler, de piller, de détourner les fonds, les deniers publics. Ils ont tous les droits, mais le peuple n'a aucun droit. Donc nous sommes un peu, voilà, c'est la voix de ces personnes-là qui s'expriment à travers nos bouches. Parce que moi, ce que je veux dire ce soir, les Congolais vont se retrouver là-dessus et les Congolais seront d'accord avec moi. Bonsoir ma grande maman Yoyo internationale. Bonsoir l'Amazon Abou. Bonsoir à toutes les Amazones d'Afrique. Bonsoir mon frère Jacob Sengui. Bonsoir Roseline Le Claser, ma sœur l'Amazon du 242. Bonsoir ma sœur Patricia Dembatilo. Et bonsoir Carole Moutou. Bonsoir Marise Marc. Bonsoir mon frère Duc de Mouboti, bonsoir mon frère Le Nec depuis Chicago si je ne me trompe pas, bonsoir mon frère Gamette Meyem Meyem, bonne fête à vous, bonsoir mon frère Eban Mexan, bonne fête à tous les Congolais de la dépendance parce que nous sommes encore dépendants, nous dépendons de tout, de la France.
Donc voilà, moi j'aimerais dire aux Congolais, à un certain moment, à 61 ans, on est un homme mature, réfléchi, on est capable de s'assumer et de prendre sa vie en main. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui au Congo-Brazzaville et partout ailleurs, dans tous les pays de l'Afrique francophone, aucun pays n'est indépendant. Parce que moi je me dis, là, on est indépendant, c'est lorsqu'on passe d'un état d'assujettissement à un état de liberté. Voilà. Donc, l'indépendance, c'est le fait d'être affranchi. On doit s'affranchir. S'affranchir de quoi? Des chaînes qui nous retenaient captifs dans une situation donnée. Nous étions captifs dans le colonialisme. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours dans le néocolonialisme. Alors, comment allons-nous parler d'indépendance, alors que nous sommes encore dans le néocolonialisme? C'est ce que je dis. Nous, le peuple congolais et d'Afrique en général, francophone, nous avons les clés entre nos mains. La clé de la prison, nous l'avons entre nos mains. Mais nous ne voulons pas l'utiliser pour franchir le pas, ouvrir cette prison-là et sortir. On s'y plaît dans notre prison dorée, on est là assis et on attend encore que ce soit notre oppresseur, que ce soit nos ravisseurs qui nous donnent encore tout ce qu'il nous faut pour être libre, pour notre bien-être, pour notre confort. C'est ça, c'est pour ça que vous voyez que rien ne bouge, que rien ne change 61 ans après les indépendances. Les Congolais se plaisent à être dans les pays des autres que dans leur pays. Dites-moi, mes amis, si nous sommes réellement indépendants, que faisons-nous ici en France? Que faisons-nous, mes très chers compatriotes du Congo et d'Afrique? Que faisons-nous ici? Parce que pour la plupart des Congolais, on a commencé à quitter le Congo depuis la guerre de 97. Depuis la guerre de 97, c'est là que les Congolais se sont déplacés vers la France, ont immigré en France en masse. Cette guerre-là qui a ramené M. Double 8%, le dictateur Double 8% au pouvoir par un coup d'État. Et depuis là, le Congo ne va très mal. On nous parle aujourd'hui d'indépendance. Mais franchement, je me dis, franchement, c'est un foutage de gueule. Parce que c'est de notre faute. On ne veut pas se libérer. On ne veut pas... Excusez-moi les amis, j'ai un rôle. On ne veut pas, les amis, sortir. On ne veut pas. La France a connu pire que nous. Hein. La France est passée par là. On a des hommes qui sont bien gaillards, costauds et tout là, mais qui acceptent de se faire enfants, qui acceptent de se faire des griots, des dirigeants qui n'ont pas d'éthique, pas de moralité, pas de déontologie, pas de respect pour le peuple. Aujourd'hui, c'est nous qui donnons au PCT et à Colite la force d'être là. C'est nous, le peuple congolais. C'est nous. Je ne sais plus dans quelle langue devons-nous parler pour que le peuple congolais aujourd'hui nous écoute à nouveau et nous comprenne. Parce que lorsqu'un homme a cessé de penser par lui-même, hein, il est en train de creuser sa propre tombe. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les Congolais ont cessé de réfléchir. Les Congolais ont cessé de se poser des bonnes questions. Hein? Où sont passés ces Congolais-là des années 60 là? Nos pères se sont battus. Parce qu'aujourd'hui, là, si nous continuons encore à célébrer ces indépendances-là, moi, c'est surtout par rapport aux pères de l'indépendance, nos pères qui se sont battus par devoir de mémoire, que nous continuons à célébrer ça parce que nos pères ont désiré de l'indépendance à cette époque-là, dans les années 60. Ah, je me posais une question simple. Le premier président congolais, l'abbé Fulbert Youlou, montrez-moi où est son monument, sa tombe. A-t-il même un monument vraiment digne de son nom où les touristes peuvent venir au Congo aujourd'hui? On les emmène même là-bas. Mais avant de célébrer la fête de l'indépendance, commencez déjà à honorer les pères de cette indépendance-là. Est-ce qu'ils sont honorés? Elle est où la tombe de Massamba Déba? Elle est où?
Ils sont où les monuments? Mais lorsque je pense que dans ce même Congo-là, on vient honorer un violeur de femmes de la cour royale Bateke comme Debraza, on vient ériger un gros mémorial pour, à son honneur. Ah, il n'y a jamais eu de mémorial pour l'Albert Fulbert Youlou. Ceux-là qui se sont battus, même qui ont proclamé l'accession du Congo à l'indépendance, il n'a même pas de mémorial. Il est où le mémorial de Massamba Déba? Ils sont où? Mais commencez par le commencement. Parce que moi je dis qu'un peuple, qui n'apprend pas de son histoire, parce qu'un peuple doit apprendre de son histoire. Le futur se construit par le passé et le présent. Si nous ne sommes pas capables d'apprendre de notre histoire, vous vous étonnez qu'on est chaud aujourd'hui, qu'on est là, qu'on tourne en rond. Hein? Aujourd'hui, la fête de l'indépendance au Congo-Brazzaville permet juste à la famille au pouvoir de s'enrichir parce que ce sont eux qui fournissent tout ce qu'il faut pour l'organisation de cette fête-là. Commençons par les chapiteaux. Tout le matériel, les tenues, ce sont eux qui livrent partout. Heureusement encore, avec la pandémie, il y a des restrictions. Donc, ils ne peuvent plus la célébrer comme ils ont l'habitude de faire. Juste au dîner d'enfants, c'est la famille au pouvoir qui fournit tout. Et l'argent retourne dans leur poche. Mes amis, moi aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce live. Parce que, voilà, nous sommes des lanceurs d'alerte. Moi, je vous ai toujours dit, et je le répète encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maman Grâce. Je suis sur les réseaux sociaux pour éveiller mon peuple. Nous sommes là pour éveiller les consciences. Parce qu'à un certain moment, il faut qu'on pose des actes. Il faut qu'on agisse comme des hommes libres. Parce que la liberté, l'indépendance, là, doit d'abord commencer en soi-même. En soi-même. Aujourd'hui, ce n'est même plus avec les colons. Ce n'est même plus avec la France. Ce sont nos propres dirigeants aujourd'hui qui nous maintiennent encore dans l'esclavage. L'esclavage de la faim. L'esclavage des détournements d'argent au Congo. L'esclavage du paraître. L'esclavage de la sape, du vêtement. L'esclavage du boire et manger, coucher avec les femmes. C'est dans tout ça que nous sommes encore. Donc la première indépendance doit venir d'abord de nous-mêmes, comme j'ai essayé de lire l'extrait du message adressé à la nation, à ce dictateur double 8%, Sassou Nguesso, qui a parlé à son peuple. En fait, il est là en train de répéter les mêmes messages chaque année. On ne renouvelle rien, il n'y a rien de nouveau dedans. Il continue à amuser les Congolais parce que les Congolais le veulent. Donc, on réactualise juste le message. Aujourd'hui, Monsieur double 8% vient encore nous parler de l'agriculture. Priorité des priorités. Alors qu'il a tout échoué, il a échoué sur toute la ligne, sur tous les projets sur l'agriculture. Autosuffisance d'ici à l'an 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Les Congolais meurent de faim. L'agriculture, priorité des priorités. Une école, un champ. Tout ça, tous ces projets-là, liés à l'agriculture. Échec. Et aujourd'hui, ce monsieur Sassou, il a l'audace de venir dire qu'il est toujours constant par rapport à ce projet. Mais ce sont les Congolais qui ne veulent rien faire. Qui ne veulent pas épouser ce projet. Ah, pourquoi? Parce que le Congolais a été éduqué pour être fonctionnaire. Mais oui, mais lorsqu'on a été éduqué sur la base du système éducatif français, nous, on a lu les livres aujourd'hui de Mamadou Ebineta. Moi, quand j'étais à l'école primaire, on avait les livres de Mamadou Ebineta. Il est passé où le système authentique africain éducatif? Il est passé où? Vous êtes toujours là à vouloir copier la France, mais vous vous dites indépendant. Hein? Quand la France tousse, chez nous là-bas, on éternue. Dès que Macron chie quelque chose, c'est nous là-bas qui recevons toutes les odeurs. Et on les distribue au peuple. Et vous vous dites indépendant. Des dirigeants sans dignité. Vous êtes là en train de copier.
Et lorsque la France vous sort les dossiers de bien mal acquis, vous venez parler d'ingérence. Alors que c'est vous qui êtes les premiers à attendre toutes les décisions prises par la France pour les appliquer là-bas aux Congolais. Alors que la vie n'est pas la même, les réalités ne sont pas les mêmes. Ah, vous avez déjà vu dans un pays indépendant où les fonctionnaires, les retraités sont payés selon la bonne humeur du président de la République et ça passe à la télé. Ah, on vous dit que les fonctionnaires seront payés telle date par la bonne volonté du président de la République dans un pays indépendant. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, l'heure est à une prise de conscience. Parce que ce discours-là, je ne veux pas le relire ici, là. Ça va nous prendre du temps pour rien. J'ai essayé de le télécharger dans mon portable parce que je n'ai pas fini de le lire, son discours. Et donc voilà, il y a quand même des points qu'il a soulignés qui me mettent en colère. Quand il parle que le peuple congolais s'attelle inlassablement à mettre en place l'unité nationale. Mais c'est pas le peuple, parce que le peuple aujourd'hui congolais est opprimé. Le peuple congolais est brimé dans ses droits en tant que citoyen. Pourquoi? Parce que vous, la classe dirigeante congolaise, vous avez démissionné dans votre rôle d'homme d'État. Comment pouvez-vous expliquer 61 ans après les indépendances? Les retraités ne sont pas payés depuis plus de 3 ans. Il n'y a pas de bourse au Congo depuis plus de 3 ans. Les fonctionnaires sont payés selon le bon vouloir du président de la République. Le Congo vibre au son des bidons jaunes dans les rues et du délestage. Hein? Avoir du courant et de l'eau qui coule dans le robinet est devenu un luxe pour le Congolais. Les gens vont me dire, ce sont des chansons, des messages déjà entendus. Déjà entendus, mais on continue dans la bêtise. Et tant que nous allons continuer à cautionner le mal, tant que nous allons cautionner les conneries de M. Sassou Nguesso, nous allons revenir tous les jours vous répéter aussi les mêmes choses. Parce que depuis plus de 40 ans, Sassou vous répète le même discours. Et vous êtes là, vous l'applaudissez. Des gaillards zéro. Je vous dis ça. Et je le dirai toujours. Je n'ai plus aucun respect pour tous ces Congolais-là qui aiment passer sur les médias. J'ai Bac plus 50. Je suis directeur de ceci. Je suis ingénieur en recherche, en machin. De quoi? Du poisson salé, du manioc, du pandou. De quoi? Je suis diplômé à la Sorbonne. J'ai un doctorat en ceci, en cela. Regardez le tas du Congo. Regardez l'état dans lequel est notre pays. Et vous allez comprendre si vos diplômes-là ont de la valeur ou ce n'est que du papier toilette. Ah. Comment notre peuple ne peut même pas un peu prendre conscience et dire non, trop c'est trop, ça ce n'est pas éternel. On ne peut plus continuer, nous tous là, à être le marchepied de Sassou. Parce que ces hommes-là, hein, lorsque certains, un artiste, je ne vais même pas citer son nom, un connard, un moins que rien, une personne limitée, qui vient dire, oui, je chante en Mboshi, parce que le Mboshi, c'est la langue du pouvoir. Et vous voulez enseigner l'unité nationale à nous autres là. Et c'est à nous autres là que vous voulez enseigner l'unité nationale. Mais l'unité nationale, monsieur Sassou Nguesso, c'est toi qui dois d'abord la rechercher. Parce que c'est toi et ta famille. C'est vous qui avez mis le Congo à feu et à sang. C'est vous qui avez détruit le Congo jusqu'à la moelle. C'est vous qui avez détourné, réduit les Congolais à la mendicité. À la mendicité. Les Congolais n'ont plus d'estime de soi. C'est pour ça, mes amis, je viens vous dire. La première indépendance, mes très chers compatriotes du Congo, commencera lorsque vous, mes frères congolais, vous allez commencer à avoir déjà de l'estime de soi. Quelqu'un qui a de l'estime personnelle ne peut pas aller faire les atalakou d'un homme comme lui. Quelqu'un qui s'aime et qui dans sa tête se dit un homme libre
ne peut pas aller mendier chez un homme comme lui. Comme aujourd'hui, tu n'es pas dans la franc-maçonnerie, c'est-à-dire tu ne manges pas, tu es écarté. Aujourd'hui, nos hommes se font sodomiser pour avoir le pouvoir, pour avoir un poste, pour manger. Vous êtes derrière ces gens-là, mais on vous sodomise encore. C'est à ça que sont réduits les Congolais aujourd'hui. C'est à ça. Alors que vous et moi, nous savons très bien que le système PCT est acolyte. Ils savent très bien pertinemment que sans le pouvoir, ils ne sont rien. C'est pourquoi ces gens-là s'attellent, œuvrent, font par tous les moyens possibles, font tout pour garder et se pérenniser au pouvoir. Dites-moi, quel est ce rempart-là qu'ils ont, le PCT et acolyte? Quel est ce rempart-là qu'ils ont aujourd'hui-là pour dire, voilà, on va faire du bien-être des Congolais la priorité des priorités de ce mandat, de ce nouveau mandat? Quel est le rempart qu'ils ont? Ah! Le peuple congolais n'a jamais été au centre de leurs priorités. Pourquoi? Parce que notre peuple a démissionné. Notre peuple a renoncé à ses droits. Vous les voyez, ils viennent là avec les dents. Un pays qui vibre. Hein? Un pays qui vibre. Au son de l'aide du FMI. Hein? Et on se dit indépendant. Un pays qui passe son temps à manger de l'aide au FMI et à la Banque mondiale. Et on est là, on vient célébrer les indépendances. Heureusement que personne, hein, comme vous me connaissez maintenant, heureusement que personne ne m'a souhaité bonne fête d'indépendance. J'allais t'envoyer chier. Parce qu'à un certain moment, il faut arrêter la bêtise. Il faut arrêter. Je deviens allergique à la bêtise. C'est pas possible de voir que 61 ans après les indépendances, nos pères sont morts. Aujourd'hui, je suis en rouge. Pourquoi? Parce que le rouge symbolise le sang. Le sang de ces martyrs-là de l'indépendance, nos pères qui ont été tués. Parce qu'ils n'ont demandé qu'à vivre comme des hommes dignes. Dignes. Ils ont juste demandé qu'on les reconnaisse comme êtres humains déjà. Rien que ça. 61 ans après, les Noirs sont toujours traités comme des esclaves. Nulle part on nous respecte. Nulle part nos dirigeants sont respectés. Parce que les Occidentaux savent tous que ce sont eux qui les mettent là au pouvoir. Les Occidentaux savent. Hein? Quelles sont les courbettes que nos dirigeants là font pour être là à la tête de nos États? Qu'est-ce que les courbettes font? C'est pour ça qu'ils n'ont rien, ils n'ont rien à cirer de votre bien-être, quitte à vendre tout le Congo. Aujourd'hui, Sassou est prête à vendre tout le Congo pourvu que son fils le succède au pouvoir. Et nous, les Congolais, on est là. Aujourd'hui, comme il fait beau là, c'est dimanche. Allez voir sur YouTube. Les Congolais sont dans les terrains. Terrain. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de discuter là-bas, dans les terrains là? Aujourd'hui, comme c'est l'indépendance, oh, c'est la musique, il faut qu'on danse. Voilà, il y a un nouveau Nganda qui a ouvert là à la gare du Nord, là là où était, je sais pas quelle boutique, là. Ah, donc, on finit ici, là, il faut qu'on continue là-bas et tout. Ah, ben, tu as vu chez le sapeur, là, qui est à Château Rouge, là. Ah, ouais, il a ramené de nouveaux costumes, là. Oh, il y avait un jaune, là, à croiser. Mon Dieu, quand je mets ça, je ressemble à Sassou. C'est ça, mes compatriotes. Tout le monde veut ressembler à Sassou. Tout le monde veut parler comme Sassou au Congo. 61 ans après les indépendants, c'est ce que je vois dans mon pays. Des gens qui se déguisent maintenant en Sassou, qui mettent... Mais, bon sang, hey, mon Dieu, j'ai pas envie de faire un AVC. Qu'est-ce qui a changé, les amis, dites-moi, 61 ans après les indépendances? Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Tout ça, c'est du luxe. Les écoles privées pilulent comme des champignons. Les écoles de l'État n'existent quasiment plus. Quand tu pars dans une école publique, les élèves sont entassés par 200, par 100, assis à même le sol. Mais on a des ministres qui ont étudié en Europe, qui ont étudié à la Sorbonne, à Harvard, à Oxford, qui ont étudié je ne sais pas où.
Seulement, quand ils arrivent au Congo, ils prennent les diplômes reçus à l'étranger, ils mettent dans les placards et ils se congolisent, ils se tropicalisent. C'est comme si se tropicaliser veut dire médiocrité. C'est ça, les amis. C'est ça l'indépendance que vous êtes en train de fêter aujourd'hui. Parce que moi, je suis allé à l'école publique. À notre époque, il y avait des sociétés laissées par les blancs. Là encore, j'ai vu que le pont du Bakuilou là risque de s'effondrer bientôt là. Hein? Tout le patrimoine laissé par les blancs aujourd'hui sont dans quel état? Dans un état de délabrement. Où est le chemin de fer Congo-Océan aujourd'hui qui servait de transport de marchandises entre Pointe-Noire et Brazzaville? Le chemin de fer est où? Avant de célébrer la fête de l'indépendance, dites-moi, le chemin de fer est où? Comilog est où? BCC est où? Hydro Congo est où? Cimenterie de l'UTT est où? Le Foufou de Mansumba est où? Sotesco est où? La SKN est où? Bata est où? Toutes ces sociétés qui existaient à l'époque, hein, qui étaient source d'emploi pour les Congolais. Dites-moi. L'hôpital général de l'époque, de notre époque, quand tu venais, tu arrivais aux urgences là, tu avais de l'alcool, si tu étais blessé, il y avait de quoi, il y avait le matériel des soins d'urgence. Aujourd'hui même à l'hôpital, vous n'avez pas d'alcool, vous n'avez pas de coton. Ah, il n'y a même pas un brancard où te mettre toi, accidenté, tu arrives, il y a un seul brancard dans tout le service des urgences du CHU de Brazzaville. Et vous fêtez l'indépendance. Vous fêtez l'indépendance. Quelle indépendance? De quelle indépendance parlez-vous? Il vous a promis, dites-moi une seule promesse du dictateur de double 8% qu'il a réalisé 40 ans au pouvoir. 40 ans au pouvoir. Et il y a des gens encore aujourd'hui qui se permettent encore de soutenir ce pouvoir moribond, ce pouvoir d'homme apatride. Des gens ennemis du peuple, qui n'aiment pas le peuple. Hein? Monsieur le Premier ministre, comment tu l'appelles là, Coline Makoso, faites-moi le bilan de vos 100 jours. Hein? C'est dans ces mêmes raisons qu'on t'a dit, toi là, Coline Makoso, que toi, il fallait nommer obligatoirement un ministre vili. Parce qu'aujourd'hui, ça se sait. Que le Luango aujourd'hui constitue pour lui un danger pour la succession de son fils au pouvoir. Si vous ne le savez pas, et je viens encore le redire, aujourd'hui c'est le Luango. Quand je parle de Luango, je parle du royaume Luango, qui était une province du royaume Congo. Parce que le royaume Luango a existé avant la République du Congo. Hein? Donc il fallait nommer à tout prix un ministre vili. Pour essayer de paralyser tous les Luango parce qu'ils ont compris qu'il y a la grogne aujourd'hui dans le Kwilu. Il y a la grogne au niveau du Kwilu. C'est pour ça aujourd'hui là, vous voyez maintenant, c'est tout le monde qui parle du Luango. C'est tout le monde qui parle du Luango. Des vidéos sur le Luango. Comme si c'était la seule région aujourd'hui, là, celle du Kwilu, qui existe dans le Congo. C'est comme s'il n'y a pas de problème dans d'autres régions. C'est vrai qu'on voulait que les gens parlent de ce qui se passe au Kwilu parce que c'est le poumon économique du Congo. C'est bien, mes frères. Mais n'oublions pas que chacun de nous sort d'une région. Les mêmes problèmes qui se passent au Kwilu, ce sont les mêmes problèmes qui se passent dans le Nyari, dans la Bwenza, dans la Lekumu, dans la Likwala, dans la Sanga. Et donc, dans les plateaux, nous devons les mettre à nu. Ne venez pas seulement vous acharner. Oui, le Luango, le Luango, le Luango. Hein? Il fallait commencer il y a longtemps. Les Congolais allaient déjà s'indigner de voir qu'une grande capitale économique comme Pointe-Noire, qui n'avait pas d'université, fallait s'indigner déjà à cette époque-là. Aujourd'hui, on nous sort toutes sortes d'activistes maintenant qui viennent pointer du doigt ce qui ne va pas dans le Luango. Fallait le faire bien avant. Aujourd'hui, moi, j'ai plein de mes neveux et nièces aujourd'hui là qui ont le bac, qui sont assis à la maison. Ils ne savent pas où aller. 61 ans après les indépendances. Monsieur double 8% n'a pas été capable. Vous êtes en train de fêter fête de l'indépendance. Vous trouvez ça normal que 61 ans après les indépendances, la capitale économique, le poumon économique du pays n'a pas d'université. Vous trouvez ça normal? Hein? À Pointe-Noire, il y a une seule route, là où tout le monde passe. Aux heures de pointe, là, embouteillage, même 2 heures. Tu restes 2 heures dans les embouteillages.
Mais c'est Pointe Noire qui nourrit tout le Congo. Tous les Mboshi là, c'est Yaka Noki Noki là, sont devenus riches grâce au pétrole du Kwilu. Hein? Vous venez me parler d'indépendance. De quelle indépendance? Lorsque nous-mêmes, nous ne sommes même pas capables de nous aimer. Nous ne sommes même pas capables nous-mêmes de nous sentir, de nous dire au-dedans de soi, oui, je suis un homme libre. Un homme libre ne peut pas courir derrière un autre homme libre sous prétexte que voilà, je dois chercher un poste, je dois chercher à manger, je dois chercher je ne sais pas quoi, nourrir ma femme. Et... c'est le système français aujourd'hui qui a fait que les Congolais ne réfléchissaient pas plus que plus loin que leur nez, le bout de leur nez, plus loin que leur pensée. Les Congolais allaient à l'école, c'est pour revenir travailler dans le bureau, mais c'est ça le système que vous avez établi. Ce même système que vous avez détruit aujourd'hui, 61 ans d'indépendance, vous nous avez fabriqué des bébés noirs. Les Congolais ne sont plus en paix dans leur pays. Et vous voulez célébrer quoi? Indépendance tcha-tcha. Mais nos pères ont dansé l'indépendance tcha-tcha. C'est pas pour qu'aujourd'hui là, qu'on ait des bébés noirs qui sont en train de semer la terreur dans le pays. L'indépendance tcha-tcha, c'était l'indépendance où le citoyen congolais, quand il partait à l'étranger étudier, il avait son diplôme, il revenait pour travailler. Parce que le Congo, on est 4 millions d'habitants. Avec toutes les richesses que regorge notre pays, chacun aurait sa part si nos distributions, si nos richesses étaient bien redistribuées. Si nos richesses étaient bien redistribuées à tout le monde, il y a pour tout le monde. Allez, on est là à assister une minorité d'individus, des indigènes, des gens qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de la déontologie, des gens qui n'ont pas compris que le Congo est un bien commun, et vous venez nous taxer, nous, de tribalistes, quand on veut diviser le Congo. Quand on parle de l'unité du Sud, vous venez nous attaquer. Hein? Alors que vous ne savez pas que... aujourd'hui, le problème du Congo, c'est un problème de pouvoir, d'éducation et d'instruction. Tant que le peuple congolais sera réduit à penser que lorsqu'un dirigeant, un député ou peu importe, un ministre vient dans votre commune, vous inaugurez un robinet d'eau, vous prenez ça pour un don venu de Dieu. Mais comment voulez-vous que ces hommes-là travaillent à améliorer vos conditions de vie? Alors que vous oubliez que le député a été élu, c'est pour travailler parce que la politique, c'est l'art de gérer la cité. C'est ça la politique. Faire de la politique, c'est ça. L'art de gérer la cité. De mener une bonne politique de la cité. Alors, un député qui vient vous inaugurer un robinet d'eau, vous êtes là, vous applaudissez. Pour vous, c'est un don venu de Dieu. Alors que le peuple ne sait pas qu'il est le peuple souverain. Ces gens-là sont là à cause de vous. Ils ont été choisis là par vous. C'est vous qui avez leur mandat entre les mains. Donc, ils ont ce devoir-là, eux, d'améliorer vos conditions de vie. Donc, lorsqu'ils viennent mettre un robinet chez vous, c'est normal. C'est ça, l'éducation. L'éducation. Franchement, donc on est là avec des gens, des barbares, sans élégance. Alors qu'ils oublient que le pouvoir, c'est avant tout l'élégance dans l'âme. Vous êtes là en train de piller, de voler, hein, d'entasser des sacs, des nguiris d'argent au sous-sol. Et vous êtes là heureux de voir que notre peuple est réduit à la mendicité, que le peuple est là gémit, croupit, souffre. C'est pas tous ceux qui font la politique qui sont des hommes d'État. Parce qu'un homme d'État, dans son vrai rôle, il a l'éthique. C'est un homme de morale. C'est un homme avec beaucoup de moralité. C'est un homme qui a de la déontologie. Et c'est un homme qui ne peut jamais regarder son peuple mourir à petit feu par manque d'eau, manque d'électricité, manque de soins. L'éducation nationale est détruite. Hein? Nos enfants s'asseyent à même le sol. Se soigner au Congo Brazzaville, ça devient un luxe. Ils s'en foutent éperdument parce que eux, dès qu'ils sont malades, dès qu'ils toussent, l'avion médicalisé est affrété, ils viennent.
viennent vite se faire soigner en France. Et vous les applaudissez. Au nom de quoi? Au nom de l'ethnie. Parce qu'il faut à tout prix garder le pouvoir au Nord. Parce qu'il faut à tout prix respecter le pacte du Nord. Hein? Et quand on le dit, vous dites que le pacte du Nord n'a jamais existé. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'un intellectuel, qu'il soit de Makoua, qu'il soit de la Likwala, qu'il soit de Moussaka, qu'il soit de Wando, comment un intellectuel, le fait qu'il soit seulement du Nord, même les Batekés se disent maintenant du Nord. Hein? Le fait qu'ils soient seulement du Nord cautionne et nous condamne parce qu'on critique la mauvaise gouvernance de Sassou. Comment pouvez-vous m'expliquer ça? Parce que qu'est-ce que Sassou a fait 61 ans après les indépendances au Congo? Citez-moi un seul projet concrétisé par monsieur 8% au profit du peuple congolais. Citez-moi un seul projet. Un seul. Pas deux. Ils envoient des étudiants à Cuba aller étudier là-bas. Ils sont même pas capables de payer. Voilà que les enfants rentrent. Les enfants n'ont même pas leur diplôme. Ils sont allés passer 7 années d'études pour rien en médecine. Ils arrivent au Congo, les pauvres travaillent sur le terrain. Ils ne sont même pas payés. Même pas payés. Dites-moi. Alors que même ces étudiants-là, la plupart de ceux qui sont allés faire médecine à Cuba là, sont des ressortissants du Nord. Hein. Il n'y a pas un sudiste là-dedans. Hein. Hein? Et quand les gens se revoltent, parce que trop c'est trop, on ne peut plus continuer à se faire écraser par une seule famille qui a pris en otage notre pays. Vous venez crier alerte au tribalisme. Au tribalisme? Mais les premiers tribales, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Quand vous n'êtes pas en mesure de faire du bien à tous les Congolais, dans sa globalité, dans son ensemble, c'est quoi? Tout pour eux, tout pour leur poche, rien pour le peuple. Et vous voulez que nous, on continue à cautionner ça? Hein? Et aujourd'hui, je vois un certain monsieur Mabiala qui sort là et qui vient nous vendre nos terres. Hein? Mes parents vili là. Là, maintenant là. Ouvrez bien vos oreilles là. Parce que là, c'est de vous que je veux parler. 61 ans après les indépendances. Hein? Monsieur Mabiala, je sais que vous vivez sur les réseaux sociaux là. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à nous que vous aussi là-bas, vous êtes contraint un peu de faire semblant de travailler. Vous êtes toujours là-haut, les réseaux sociaux ci, les réseaux sociaux ça. Mais oui, c'est grâce à nous. C'est nous sommes là avec le bâton en train de vous chicoter. Parce que nous, quand on vous chicote, vous là-bas, vous réagissez. Les gens qui sont dans l'entourage de Mabiala là, taguez-le-moi. Taguez-le-moi. Donc franchement, monsieur Mabiala, parlons vrai et parlons bien. Votre cinéma là, que vous faites là, hein, c'est dégoûtant. Vous devez même avoir honte de vous. C'est pas parce que vous êtes allé chercher un petit diplôme de juriste là, au pays des Blancs, et vous venez n'importe comment, sans réfléchir, appliquer ces lois bidons sur les terres de mes ancêtres. Toi, Mabiala, et toi, Pierre Mabiala, la ministre des Affaires foncières, là, de mon cul. Toi, là, à l'époque de Jean-Félix Tshikaya, à l'époque de Stéphane Tshitshel. Toi, Pierre Mabiala, à l'époque de Théous. Hein? Toi, là, tu pouvais venir débarquer à Yinda et dire à Stéphane Tshitshel, montre-moi tes titres fonciers. Hein? Donc, ils prennent nos terres aujourd'hui. Ce ministre des Affaires foncières, ils ont vendu nos terres aux Rwandais. Les terres de mes ancêtres à moi. Et toi, Mabiala, tu oublies
que nous sommes le peuple autochtone. Nous sommes là. Mes ancêtres étaient là avant les traités de 1883 avec Mani Makoso Tirusu. Mes ancêtres étaient là avant. Avant la République du Congo, mes ancêtres étaient là. Nous sommes le peuple autochtone. Et aujourd'hui, je te dis que le Luango, aujourd'hui, il est souverain depuis le 7 juin 2020. Le Luango est souverain. Donc le Kwilu, là, ne fait plus partie de la République du Congo. Le Kwilu, là, ne fait plus partie de ça. Nous, on ne chantera plus. En ce jour, le soleil se couche et notre Congo s'assombrit. Une longue journée s'achève, une longue nuit apparaît. Le Congo est dans les ténèbres totales. Une longue journée s'est achevée. Là, on est dans le noir total. Et tout ce que vous faites, c'est en lien avec les ténèbres. Toi, tu as l'audace, toi, Pierre Mabiala, tu viens sur la terre de mes ancêtres, tu prends des titres fonciers, tu donnes aux Rwandais. Tu donnes aux Rwandais. Mais pourquoi tu n'es pas allé prendre les terres de tes ancêtres à Makabana et donner à ces Rwandais? Hein? Tu aurais dû partir parce que vous avez la dette. Vous avez la dette de ces Rwandais. Ce ne sont pas les Congolais qui sont allés signer des accords avec les militaires rwandais pour venir combattre au Congo le 5 juin 1997 pour chasser Pascal Lissouba du pouvoir et prendre le pouvoir en faveur de Sassou par un coup d'État. Si vous voulez récompenser ces militaires rwandais, allez-y prendre, Pierre Mabiala, tu prends tes terres à Makabana, les terres de tes ancêtres à Makabana. Vous allez prendre les terres des ancêtres de Sassou à Oyo. Vous payez, comme vous avez fait avec les Angolais. Pourquoi vous venez toujours dans le Luango, quoi? C'est le Luango qui vous empêche de mettre Kiki au pouvoir. Ce sont les Luango qui deviennent pour vous le grand obstacle qu'il faut à tout prix combattre pour laisser la place à Kiki au pouvoir. Mais le Luango de mes ancêtres, hein, vous n'allez pas toucher. Tout le patrimoine ancestral dont vous avez besoin, parce que vous ne voyez que tout ce qui est mystique. Vous n'êtes motivé que par tout ce qui est mystique. Si vous pensez pouvoir prendre toute la richesse ancestrale, mystique du Luango, pour mettre Kiki au pouvoir, vous avez échoué. Si vous pensez paralyser, neutraliser, anéantir le peuple du Luango, vous avez échoué. Et je ne vais pas arrêter de vous le dire. Hein? Avec votre sorcière d'Antoinette qui vous a donné tous les permis, vous pouvez venir faire tout ce que vous voulez sur le Luango. Sachez-le. Même elle n'a aucun pouvoir. Bande de Maluang, Telman. Ban Bumanu Angu Telmanu Kotukanu. Kotukanu la Nukinanu Ngolo. La Nukinanu Ngolo. Babu Tomku tout le monde a Kutufumu. Donc Boutonku Bong Bibinu. Boutonku Bong Bibinu. Avec la Kangan Yok, Lulumku Talangan. Avec tous ces chefs coutumiers corrompus. Vous allez vous corrompre jusqu'où? Jusqu'à trahir la mémoire de nos ancêtres. Pourquoi? Pour des miettes que ce pouvoir-là vous donne. Ce pouvoir d'homme véreux. Ce pouvoir aux abois. Parce que Sassou, il est fini. C'est vous qui continuez à donner la force à Sassou. Sassou est fini. Sassou est un homme mort. Les jours de Sassou sont comptés. C'est pour ça, là, maintenant, ils s'attellent là, vraiment, à préparer Kiki. Ils arrivent là, le 24 et le 27, là. Hein? Vous avez vu la photo qui circule. Coline Makoso qui est chargé de mettre, d'accompagner Kiki. À récupérer le pouvoir au Congo. Il l'a bien mis sur ses épaules. Ils arrivent là pour rencontrer le MEDEF en France. Le 24 et le 27. Vous êtes où les Congolais? Vous êtes assis chez vous? Vous ne vous sentez pas concerné par la situation du Congo? Pourquoi? Parce que quoi? Vous avez la semoule? Parce que vous avez le yogourt? Parce que vous avez quoi? Du jambon? Un peuple doit être fier de ses origines. On est fier de ses origines quand on se bat pour son pays.
On n'est pas chez nous ici. Hein. On n'est pas chez nous. Quand est-ce que vous allez vous réveiller? Hein? C'est parce que la France vous a donné quelque part où vivre dignement. Parce qu'au pays, hein, tu n'avais pas le droit à la vie normale. Et tu as un appart ici, pourtant tu te dis, oh oui, la vie s'arrête là. Non, les amis, on a un chez nous. On a notre terre promise que Dieu nous a donnée. Et je vais encore le redire, je l'ai déjà dit. Sachez-le, celui qui pense qu'il sera heureux en France, qu'il a trouvé le paradis en France, je ne vous mens pas, on est en enfer, on brûle. Regardez comment il fait chaud ici. J'ai mis même deux ventilos là, mais j'ai toujours chaud. Hein? La terre promise, c'est chez nous. Mais comment sommes-nous le peuple d'Afrique centrale? Ce n'est qu'en Afrique centrale où personne ne bouge. Tout le monde est là dans un mutisme démoniaque. Personne ne parle. Personne ne veut dire quoi que ce soit. Personne ne veut bouger. Comme si les gens ne se sentent pas concernés par la chose publique. C'est quoi, les amis? Hein? Big up à toi, ma Yaya princesse, la nébuleuse. Hein? Big up à toi, Yaya. C'est quoi, les amis? Quel est ce peuple-là qui peut indéfiniment accepter de se soumettre à des hommes sans dignité? Des hommes qui existent? Des hommes qui ont forgé leur personnalité parce que les musiciens ont passé le temps à chanter pour eux? Hein? Il y a des gens aujourd'hui que moi je connais seulement parce qu'il y a un tel Kofi a chanté pour lui. Si c'est pas Roga Roga qui a chanté pour lui. Voilà. Ce sont des gens qui n'ont rien fait. Des gens qui ont forgé leur personne dans la bêtise. Avec Téléfoufou qui passe le temps à faire de l'apologie de la dictature. Donc, tout ça là a contribué à semer la peur, la résignation dans la vie du peuple congolais. Et vous ne savez pas que ces gens-là n'ont rien à foutre du Congo. Aujourd'hui, là, Sassou va vendre tout le Congo. Pourvu que son fils ait le pouvoir. Mes très chers frères du Luango et du Congo. Ça, je vous dis. Parce que les Rwandais, quand ils viennent occuper vos terres, ils ne choisissent pas. Je viens vous rappeler seulement ce qui se passe à Beni. Moi, j'ai marché pour Beni, pour les massacres de Beni, pour le Kivu, le Nord Kivu, le Sud Kivu, pour Butembo, pour Minembwe. Hein? Ne cherchons pas à vivre ce que Beni, Butembo, Minembwe vit aujourd'hui, ce que le Nord Kivu, le Sud Kivu vit aujourd'hui. L'Est de la RDC est en feu. Aujourd'hui, le docteur Mukwege, aujourd'hui, hein, il a reçu le prix Nobel. Parce qu'il a passé au moins 18 ans depuis que Kabila et fils est arrivé au pouvoir à réparer les femmes qui sont violées dans l'Est de la RDC. Vous avez oublié que c'est ces mêmes M23-là des Rwandais qui a ramené Moussa Laurent Désiré Kabila au pouvoir en 97 à Kinshasa. Lorsque Laurent Désiré Kabila a voulu se débarrasser des Rwandais, hein, du M23 des Rwandais. Vous connaissez la suite. Aujourd'hui, il n'est plus, il est de l'autre côté de la vie. Hein? Parce que ces tout Rwandais sont des cannibales, des hommes de sang. Ce sont des hommes vraiment, des hommes animaux. Aujourd'hui, là, on est en train d'assister à une occupation rwandaise. Et vous êtes là assise, vous me regardez là. Vous êtes là assis, vous écoutez Maman Grâce. Ah, les amis, les gens devaient me faire des propositions là. Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on fait? L'occupation rwandaise est en train d'arriver dans le sud du Congo, pas au nord. Parce que ces Rwandais sont là depuis quand ils sont venus. Depuis qu'ils sont venus combattre en 1997 pour la victoire de Sassou. Ces Rwandais étaient déjà là au nord. Aujourd'hui, Mabiala prend des titres fonciers et remet à ses Rwandais, soi-disant, pour pratiquer l'agriculture. Dans quels cieux avez-vous déjà vu ça? Un pays qui est censé être souverain ne peut pas vendre ses terres à un État étranger. Où avez-vous vu ça?
Aujourd'hui, on va se réveiller un bon matin. Nos terres ne sont plus à nous. Les terres appartiennent aux Chinois. Les terres appartiennent aux Rwandais. Ils vont nous massacrer. Ils vont nous tuer pour qu'on quitte ces terres-là. Et eux, ils vont prendre. C'est ce qui se passe à Beni. C'est ce qui se passe à Butembo. C'est ce qui se passe à Minembwe. Dans l'est de la RDC. Des territoires comme ça, là, pris par les Rwandais. Les Tutsis Rwandais. Ces hommes cannibales, ces hommes animaux, ces hommes sanguinaires qui ont le sang entre leurs mains. C'est ce que vous voulez? Hein? Nous devons nous lever aujourd'hui, les Congolais. Parlons au moins pour une fois dans notre vie un seul langage. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour faire tomber le système PCT et acolyte. C'est une épine à nos pieds. Même aujourd'hui pour la souveraineté du Luango là, tant qu'on ne va pas abattre Sassou, vous avez vu depuis la mort du roi. Depuis la mort du roi, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que la cour royale attend pour nous faire sortir un nouveau roi sur le trône du Luango? Tout simplement parce que vous n'avez pas compris que le projet des Mboshi, c'est que ce royaume-là disparaisse parce qu'ils ont su que nous ici, on a déjà déclaré depuis la France le royaume Luango souverain depuis le 7 juin. Donc aujourd'hui, Sassou doit se battre à ce qu'il n'y ait plus de roi sur le trône du Luango. Comme ça, ils ont le champ libre de venir vendre toutes nos terres. Vous n'avez pas compris aujourd'hui que la guerre que est en train de mener Sassou et son PCT, c'est une guerre contre le Luango. Après avoir fini d'exterminer et d'anéantir le poule, c'est maintenant le Luango. Après, ils iront où? Dans le Nyari? Dans la Bouenza? Dans la Lekoumou? Il a tué tous les leaders. Sassou nous a tué tous nos cadres. Tous nos cadres, tous les cadres congolais aujourd'hui sont morts. Tous ceux qui peuvent être des potentiels pierres d'achoppement pour son fils, Sassou les a débarrassés. Aujourd'hui, Mokoko et Okombi survivent encore là-bas dans la prison, là où ils sont. Grâce aujourd'hui à la médiatisation. Hein? Sur les réseaux sociaux de leur arrestation, de leur condamnation. Sinon, ils seraient déjà morts. Aujourd'hui, ça soit juste honte de les achever, Okombi et Mokoko. Parce qu'aujourd'hui, nous déjà, on est en alerte. Donc franchement les amis, mes frères du sud, nous sommes en guerre. Ça va pas plaire à mes frères Mboshi qui ont arrêté de me suivre. Parce que chaque fois, je suis en train de traiter les Mboshi d'être le mal du Congo. Mais je suis désolé, même s'il y a une minorité des Mboshi qui comprennent et qui ont compris. Pardonnez-moi, vous êtes une goutte d'eau dans la mer. Aujourd'hui, le problème du Congo, c'est ce petit peuple-là, Mboshi, envieux. Aujourd'hui, leur projet, c'est de ravir le Kwilu, aujourd'hui, entre les mains des Luango. L'inversion des peuples. Nous chasser de nos terres, achetez-nous toutes nos terres. Imaginez-vous, un terrain qui est vendu au Congo, à Pointe-Noire, là-bas. On te vend un terrain ou une propriété à 300 millions. Qui a l'argent au Congo, là, pour acheter ces terres-là, à ces prix-là? Si ce n'est pas eux, parce qu'eux, ils ont le trésor public dans leur maison. Si ce n'est pas eux, dites-moi. Et mes frères congolais, vous êtes là, vous croisez les mains. En tout cas, mes frères Luango, en tout cas, je vous dis que l'heure est grave. L'heure est grave parce que là, on n'a plus nos terres. Pierre Mabiala, ce que tu es en train de faire là, sache-le, c'est ton temps que tu perds. Le Luango souverain est en cours et suit son cours. Même si vous pensez que c'est de la blague, nous sommes en train de continuer la route vers un Luango souverain. Et les terres que tu es en train de spolier au Rwandais là, ce sont les terres de mes ancêtres, de mes ancêtres. Pierre Mabiala, tu ne dormiras plus. Va prendre tes terres à toi de tes ancêtres à Makabana. Donne-les au Rwandais si tu veux. Si tu veux donner tout Makabana au Rwandais, donne. Mais c'est quoi ces gens? Et vous dites des hommes d'État. Et aujourd'hui, vous êtes en train de célébrer
61 ans de l'indépendance, lorsque vous êtes en train d'opprimer, d'écraser, de maltraiter, de martyriser un peuple, tout un peuple, vous n'avez même pas le respect de ces pères de l'indépendance là, les Stéphane Tuchel. Tu viens souiller les terres de Stéphane Tuchel. Tu nous ramènes des Rouennais. Ça, c'est du respect, ça, Pierre Mabiala. Qui t'a éduqué? Quelle éducation as-tu reçue? Tu as éduqué, toi, Pierre Mabiala, avec ton petit diplôme de juriste? Je suis même plus intelligente que toi. Et pourtant, je n'ai pas de doctorat, je n'ai pas de maîtrise. Je n'ai que des petits diplômes, moi. Hein? Vous n'avez rien dans la tête. C'est comme s'il y a des rats qui sont passés dans vos cerveaux, qui ont bouffé toute la matière grise. De toutes les façons, hein, notre écrivain Alain Mabankou nous a révélé que tu étais idiot à l'école. Tu étais le dernier de la classe. Hein? Et qu'est-ce que j'ai encore vu? J'ai vu un certain Andeli qui est venu, qui a pendu une circulaire là, comme quoi la nouvelle génération est tellement... quel terme il a employé là, pardon, dites-moi. La nouvelle génération n'est pas prête à succéder à eux les anciens. Parce qu'elle est mal instruite, mal éduquée, elle ne sait pas rédiger, le niveau d'études est trop bas. Le niveau scolaire est trop bas, le niveau intellectuel est trop bas. Monsieur Andeli, je voulais le répondre à ce monsieur-là. Je le connais moi personnellement. Monsieur Andeli, hein? Lorsque vous étiez ministre des Finances, le Congo était dans quel état? Comment avez-vous géré à votre époque le ministère des Finances? Vous qui vous dites intellectuel, intelligent, mais vous avez accepté, hein, à cause de l'avarice, à cause de la gloutonnerie du pouvoir, vous avez accepté de venir travailler avec un pouvoir aux abois. Vous avez accepté de faire partie d'un gouvernement aux abois, un gouvernement des bras cassés, un gouvernement de fainéants, de paresseux, d'hommes égoïstes, des sorciers, des démoniaques, un gouvernement de tous les noms que vous voulez. Vous, monsieur Andeli, vous n'avez aucune leçon de morale à donner à n'importe quel Congolais. Même le plus idiot des Congolais, vous n'avez pas de leçon de morale à donner à un seul Congolais. Le mieux pour vous, c'est de la fermer. Si vous êtes un homme digne, créez des conditions avec tout l'argent que vous avez volé déjà à l'époque, lorsque vous étiez ministre. Après, vous êtes allé à la Banque mondiale. Vous avez travaillé là-bas aussi, vous avez certainement volé. Vous voulez me montrer, me prouver que vous êtes un homme digne. Commencez déjà. Je vous donne un petit exercice. Monsieur Andeli, Rigobert Andeli. Ouvrez-moi une salle de sport là et ramassez-moi tous les bébés noirs là, occupez-les. Créez-moi même une salle informatique avec juste 20 ordinateurs que même moi je peux acheter, 20 ordinateurs. Vous mettez là, vous me ramassez tous ces bébés noirs là qui traînent dans la rue là. Vous mettez un coach là qui va les encadrer. Là je pourrais dire que vous êtes un homme qui mérite respect au lieu de venir pendre les gens des circulaires parce que vous voulez vous éterniser là au pouvoir. Le pouvoir là appartient à vos mamans. Le pouvoir là appartient à vos papas. Hein? Le Congo là vous appartient. Regardez-moi des gens comme ça là à qui le Congo a donné l'occasion d'exister et de parler aussi. Vous êtes où? C'est quoi l'histoire de chez toi? Moi aujourd'hui je peux parler parce que le Luango a une histoire. Oui, je suis fier d'être Luango. Oui, mes parents disent où ville Tchibam, mais je refuse ça. Ouville n'est plus Tchibamba. On a accepté tout et n'importe quoi. On a accepté toutes les conneries. Les mbachis aujourd'hui viennent nous chier dessus. Et on est là, Ouville Tchibamba. Ouville Tchibamba de merde. Ok les amis, le Congo n'est pas indépendant. La vraie indépendance va commencer par s'affranchir déjà de manière physique. Parce qu'aujourd'hui, là, on n'est pas libre. On est encore victime d'esclavage physique, esclavage des détournements des fonds, des détournements des deniers publics, esclavage du vol, du mensonge par ceux qui nous dirigent. Parce qu'aujourd'hui, la véritable dépendance, elle est interne. Ceux qui nous dirigent, là, ce sont eux qui nous maintiennent aujourd'hui esclaves. Esclaves du vol, le mensonge. La gabégie,
les détournements des deniers publics, l'impudicité, la franc-maçonnerie, tout ce qui a du mal au Congo, la misère, la faim. Nous sommes esclaves de tout ça. Dans le jour où nous allons quitter de cet état d'esclave physique à la liberté mentale, c'est là qu'on aurait tout gagné. On pourra célébrer comme vous voulez jusqu'à l'aube l'indépendance du Congo. Voilà, c'est ça. Tant qu'on a encore des dirigeants qui sont là à la tête de nos pays, qui détournent des deniers publics, et vous êtes là en train de les soutenir, on ne peut pas se dire indépendant. Non. On ne peut pas se dire indépendant. Parce qu'un pays indépendant doit être capable, déjà, de fabriquer sa monnaie. Hein? Un pays indépendant doit avoir déjà son programme à lui, scolaire, adapté à notre mode de vie, à notre culture, à notre tradition. Un pays indépendant doit avoir son propre programme éducatif. Son propre programme éducatif. Hein? Nous, les mamans, lorsqu'elles nous ont éduquées, elles nous ont appris à nous, les femmes, à faire la toilette intime. Ce que nos mamans nous disaient. Mais vous êtes d'accord avec moi que les gynécologues européens interdisent ça? C'est juste un petit exemple que je prends. Hein? Donc voilà, on n'a pas la même réalité. On n'a pas les mêmes traditions. On n'a pas la même culture. Donc, vous venez prendre l'éducation des autres parce que le noir n'aime pas être ce qu'il est. Parce que le noir, chaque jour, passe son temps à insulter Dieu. Je ne suis pas content d'être ce que tu m'as créé. Je veux être comme les autres, les occidentaux. C'est pour ça qu'on voit parmi nous les gens qui se décapent la peau, les gens qui sont venus en France. C'est comme si c'est pour la première fois qu'ils ont vu des vestes, qu'ils ont vu des westerns, qu'ils ont vu des blazers. Les gens sont là, ils vont s'endetter, prendre des grands crédits, endetter jusqu'à la tête. Ils vont prendre des gros crédits, rien que pour s'acheter des vêtements. Des gens qui prennent des crédits. Je vous avais dit que j'avais une copine là. Un jour, elle me dit qu'elle était à découvert de 10 000 euros. Hey, comment tu peux être à découvert de 10 000 euros? T'as fait quoi? Oh, j'avais pris un crédit pour partir au pays. Donc, cela faisait quand chaque fois qu'elle travaillait, avec son salaire de 1 500 euros là, elle était toujours à découvert au moins de 8 000 et quelques euros. Comment tu peux être à découvert? Tu as pris un crédit pour aller au pays. Et tu vas au pays là, c'est même pas pour investir, mais tu vas au pays pour montrer tes vêtements à ceux qui sont là-bas pour dire que toi tu as réussi. Donc pour nous, l'apparence physique, le vêtement est synonyme de réussite. Vous voyez à quoi nous on a été redit? Et vous voulez aujourd'hui me parler d'indépendance du Congo? Hein? Quelle indépendance? La véritable indépendance, elle doit commencer là. Dans notre mentalité, on doit déjà s'accepter comment on est. On doit déjà avoir de l'estime de soi. On doit déjà s'aimer soi-même. Une personne comme moi là, qui s'aime soi-même, elle ne court pas derrière les autres. Même pas pour l'intérêt matériel. Une personne qui s'aime ne court pas après les postes. Quand tu sais ce que tu vaux, quand tu sais que tu as étudié à la Sorbonne, et que tu viens travailler dans un gouvernement de Sassou, alors que tu sais très bien qu'en travaillant dans ce gouvernement-là, toutes les lois que tu vas vouloir faire, mettre en place, toutes les réformes que tu vas vouloir mettre en place, on va te mettre les bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui te dira, qu'est-ce que tu veux venir montrer? Ça a toujours été comme ça. Le système fonctionne comme ça. Faut respecter aux lois de ce système-là. Mes frères Willy, je vous attends. Mon frère Joseph Tshivongo, hier je t'ai envoyé un message. Tu m'as envoyé une vidéo. Je t'ai dit que ce message-là est adressé à l'élite Vili. Vous autres là qui avez étudié, parce que nous on est là, public. Nous on manifeste, je suis sur le terrain, je suis sur tous les fronts. Mais il y a certaines choses, vous les intellectuels là, vous qui aimez écrire là, essayez de nous rédiger des vrais plans d'action. Essayez maintenant de vous battre, de faire de la diplomatie par-ci, par-là. Parce que les mêmes personnes, vous attendez que ce soit les mêmes personnes qui fassent des choses. Hein? Je suis femme au foyer, j'ai des enfants. Donc, je ne pourrais pas être à tous les fronts. À un certain moment, j'ai un stop aussi. Je ne peux pas aller au-delà.
Donc vous là qui aimez, qui nous suivez là sur les réseaux là, oui maman grâce, encore on m'appelait là, tu n'as rien dit, je veux te suivre, il y a encore un frère avant tiens là, mais maman grâce, tu es silencieuse, tu sais ce que maman grâce est en train de vivre, hein? Maman grâce est obligée d'arrêter son travail parce qu'elle a refusé la vaccination. Donc maman grâce, elle est triste ces derniers temps parce que je réfléchis, je suis en train de chercher à me reconvertir, je cherche une formation. Maman grâce est en train de chercher la formation. Maman grâce a deux choix, soit c'est quitter la France aujourd'hui, soit retourner à l'école. Donc, je suis en train de chercher une formation qui va me correspondre. Hein? Lorsque ce dictateur double 8% vient obliger aux Congolais à se faire vacciner. Et lorsqu'on lui sort un dossier de bien mal acquis, il dit que c'est de l'ingérence. Mais lorsqu'il faut copier les mesures prises par la France sur la vaccination, ce n'est pas de l'ingérence. Dites-moi, monsieur Sassou Nguesso, c'est quoi? Si ce n'est pas de l'ingérence, c'est quoi? Vous attendez que les lois soient votées ici en France pour les appliquer là-bas. Il y a eu combien de cas au Congo de Covid? Il y a eu combien de cas? Vous voulez obliger à nos enfants de se faire vacciner? 61 ans après les indépendances, vous n'avez toujours pas compris la manipulation de cette France-là qui veut aujourd'hui une Afrique sans les Africains. Hein? Vous n'êtes même pas capable de comprendre que cette Covid-là a été fabriquée parce que c'est une maladie synthétique, c'est pas une maladie naturelle. Que cette maladie-là a été fabriquée pour nous les Africains. Comme aujourd'hui, Dieu il est grand, Dieu a épargné les Africains de cette maladie. C'est eux-mêmes qui en sont morts par millions. Et aujourd'hui, vous voulez aller vacciner nos enfants là-bas? Ils ont fait quoi? Il y a combien de cas? Hein? Moi qui suis sur le terrain, j'ai dit non à cette vaccination-là. J'ai refusé de me faire vacciner. Parce qu'il n'y a jamais eu de troisième vague, il n'y a jamais eu de quatrième vague. Hein? Je travaille encore sur le terrain, là, je n'ai même pas un seul patient de Covid dans mon service. Et le sujet que Facebook n'aime pas, ils vont me couper ma vidéo. Ils vont me couper ma vidéo. Bon, j'arrête ce sujet-là. En tout cas, peuple congolais, vous refusez farouchement. J'ai vu une vidéo là à Kinshasa. On est en train de vacciner les enfants pour le pain, pour la sardine, pour le jambon. Voyez à quoi ces hommes politiques là qui nous dirigent. Parce que c'est pas parce qu'on fait la politique qu'on est un homme d'État. Hein. Voilà, un homme d'État, c'est quelqu'un déjà qui a un cœur. C'est quelqu'un qui a de l'amour. C'est quelqu'un qui va travailler pour son peuple, qui ne peut pas supporter de voir son peuple souffrir. Chez nous, on n'a pas des hommes d'État. Un homme d'État qui aime son peuple ne peut pas faire du marchandage avec son peuple. Vous savez très bien que ce vaccin n'est pas bon. Vous savez très bien que ce vaccin est en train de faire beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. J'ai un frère qui est là sur mon direct, là, qui a fait sa vaccination il y a peu de temps là. La semaine dernière, là, il se sentait mal. Il n'était pas bien. Ah, il a saigné. Donc, quand on vous dit, nous sommes sur le terrain, ce vaccin-là n'est pas bon. Alors aujourd'hui, on va vous sortir un truc pour avoir, tu veux un sac de riz, il faut la vaccination. Vous allez voir qu'il y a des gens, les Africains sont prêts à mourir, mais pour manger, pour avoir quelque chose dans le ventre. Mais moi, je dis non à mon boulot. Hein. À partir du 31, là, j'aurai pas le salaire, je n'ai pas, j'aurai pas droit au pôle emploi, je n'aurai rien. Maintenant, si j'étais une femme désordonnée, comme certaines Congolaises, hein, avec 0 € sur le compte, tu vas mourir de faim. Heureusement qu'il y a quelque chose dans le compte. Hein? Franchement. Donc, en tout cas, les amis. Hein, ça se passe au Congo-Brazzaville. Hein? Je pensais que c'était en RDC. Il y a quelqu'un qui me dit que ça se passe au Congo-Brazzaville. Voilà. Si ça se passe au Congo-Brazzaville, parce que je pense qu'il parlait Lingala, je me disais que c'était à Kinshasa. Donc, en tout cas, les amis. À l'occasion de cette célébration-là, de la journée de la dépendance, de l'accession à la dépendance de nos pays, du Congo-Brazzaville, en ce 15 août. Moi, ce que j'aimerais vous dire à vous les Congolais, mes très chers compatriotes, réveillons-nous. Réveillons-nous. Pour une fois dans la vie, comportons-nous comme un vrai peuple. L'unité nationale ne viendra pas de nous les victimes. Parce que nous sommes les victimes. Le Sud, aujourd'hui, est victime de ce pouvoir-là, de Sassou Nguesso, ce pouvoir mboché. Que vous le voulez ou non, c'est ça.
Certains vont me dire que oui, il y a des sudistes. Lissouba est passé là, il a fait quoi? Il y a des ministres du Sud. Mais ce sont des minoritaires. C'est une minorité. Vous voyez vous-même que Coline Makoso, il est la premier ministre, mais ce n'est pas lui qui prend les décisions. Ils ont toujours besoin de prendre quelques vendus là du Sud là pour les mettre là pour faire genre. Et vous savez tout très bien que ce n'est même pas Sassou qui dirige ce pays là, c'est Christelle et sa bande. Les gens Dominique Okemba, ce sont eux qui dirigent ce pays là. Vous le savez très bien mieux que moi. Quel est le sudiste là qui a du poids? Quel est ce ministre du Sud là? On a bombardé le poule là. Hein? Les Adélaïde Mougani étaient là. Vous les avez entendus? Les Isidore Mvouba étaient là. Vous les avez entendus? Mais on va dire qu'il y a des ministres du Sud qui sont là, qui bouffent avec Sassou. C'est pour vous montrer que ces gens-là sont là juste voilà, pour embellir le gouvernement. Ils n'ont aucun pouvoir. La preuve en est, ça ne les a pas arrêtés. Donc, mes très chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est plus que jamais grave. Mes frères du Luango, réveillons-nous. On va se retrouver avec des Rwandais en train de violer nos filles, de violer mes mamans. Moi, je ne peux plus dormir parce que j'ai mes nièces là-bas, j'ai toute ma famille là-bas. Ils vont semer la terreur à Pointe-Noire. Ils vont semer la terreur dans tout le Luango pour que les populations fuient, comme ce qui se passe aujourd'hui dans l'est de la RDC. Et vous connaissez l'histoire. Quand ils viennent là, c'est atroce. N'allez même pas écouter les témoignages, parce que moi, quand j'ai suivi les témoignages de certaines femmes qui ont été violées à Beni, dans l'est de la RDC, on te fout les bouteilles dans le vagin. On demande à ton fils de te violer devant toi, devant ton mari. Hein? Maman, c'est dur, hein? Les Rwandais, là. Mais j'ai certains frères là qui aiment toujours vanter. Voilà le Rwanda qui est construit. Voilà le Rwanda qui se développe. Le Rwanda se développe au détriment de qui? Au détriment de la RDC. Le Rwanda va encore se développer aujourd'hui là. Avec quoi? Avec nos terres à nous. Au détriment du peuple du sud du Congo, Brazzaville. Et vous allez venir lancer encore des éloges là sur le Rwanda. Le Rwanda se développe. Le Rwanda si. Le Rwanda ça. Mes très chers compatriotes, sortons de la bêtise. N'encourageons plus la bêtise. Voilà. Donc, en tout cas, c'était ça mon message. Et vraiment, réveillons-nous. Réveillons-nous parce que, voilà, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Et donc, voilà. Vous avez compris, comme moi, que ce gouvernement-là n'est là que pour gagner du temps. Qu'autant que les Congolais ne vont pas réagir, Sassou va nous laisser son fils là, sans même élection. C'est ça le but, hein. Sassou est mal en point. Sassou est très mal en point. Ne voyez pas tous les maquillages qu'on lui fait là pour apparaître, pour paraître normal aux yeux des Congolais là. Ne pensez pas que, voilà, il est en très mauvaise forme. Et tant que vous les Congolais, vous serez là des observateurs, sachez-le qu'on aura Kiki. Kiki, il est Zaïrois, hein. Il n'est même pas Congolais. Kiki n'aime pas les Congolais. Le jour qu'on aura Kiki, Kiki va faire 10 000 fois pire que son père. Kiki n'aime pas les Congolais de Brazzaville. Parce que selon lui, on a tellement humilié, sa mère, on a tellement humilié ses origines, on l'a tellement humilié pour ses origines, Kiki viendra se venger. Donc moi là, je vous laisse la matière à réflexion ce soir là. Allez réfléchir. Vous voulez encore 40 ans d'esclavage avec Christelle Sassou Nguesso à la tête de notre pays, qui est mariée à une Gabonaise, sa seconde épouse est une Zaïroise. Dites-moi, est-ce que ces gens-là auront l'amour de développer notre pays? Est-ce que ces gens-là auront l'amour, ou bien ce sont des gens qui viendront puiser nos richesses, puiser nos matières premières? L'une va ramener au Gabon, une autre en RDC. C'est ça que nous voulons? Hein? Et je viens encore te rafraîchir la mémoire, toi Pierre Mabiala. Le Luango existe avant les traités de 1883 entre Mani Makoso Tchikoussou, le roi Maluango, et les colons. Donc nous sommes le peuple autochtone. Ces terres-là appartiennent à nos ancêtres. Tu n'as pas le droit de les vendre. Allez-y prendre vos terres à Oyo ou à Makabana chez toi.
Donnez-les aux Rwandais. Parce que cette fois-ci, on ne se laissera plus faire. Donc voilà les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. Et j'espère que j'ai tout dit. Coucou Mayaya Princesse. Et voilà. Bonsoir Brice Samba. Oui, mon frère Patrice Tiss. Bonsoir. Bonsoir mon frère Christ Mpou. Léandre Apon, bonsoir à toi. Mon frère, mon grand frère Jack Laurence, bonsoir Yaya. Bonsoir mon frère Serge Roger Odiki. Ça, c'est mon grand frère. Mon grand frère là, tu m'aimes pas, hein, mon frère. Hein? Hein? Ah, mon Yaya là, toi, tu me connais bien en plus. Hein? Franchement, mon Yaya là. Hein? Et donc, voilà. Bonsoir mon frère. Mon frère Eloge Cardos, mon frère Obled Niabri, voilà. Bonsoir à tout le monde, je vais pas faire le tour. Bonsoir Stella, mon Amazon de sœur et mes Amazones de choc. Bonsoir mes Amazones de choc. Franchement, en tout cas, levons-nous, mes frères du Luango, et les Congolais n'acceptons plus. L'heure est vraiment grave, prenons cette affaire-là des Rwandais au sérieux, parce que ne rêvons même pas un seul instant d'être sous occupation rwandaise. Je vous mens pas. La RDC en bave. La RDC en paye le prix. Depuis 18 ans. La RDC est devenue la capitale mondiale du viol. À cause de quoi? À cause de ces rebelles rwandais. Des militaires, vous êtes venus depuis 97 pour faire la guerre. Vous vous êtes battus. Hein? Maintenant, la guerre est finie. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Ils sont restés là, dans notre pays, depuis 97. Donc là, maintenant, ils veulent faire semblant d'acheter nos terres, de prendre nos terres. Ils ont des titres foncés sur nos terres. Ils vont cultiver là. Tout simplement, c'est un moyen de cacher au cas où Sassou voudra mettre son fils là. Il sait qu'il a une base militaire rwandaise qui est là dans le sud Congo pour terroriser et tirer sur les Congolais. C'est ça, hein? Ces Rwandais-là sont là pour assurer, hein, la succession de Kiki, hein, sur le trône, hein, au Congo, hein. C'est rien d'autre, hein. Parce que le Rwanda, c'est un pays, c'est le bras armé des Occidentaux en Afrique. Ils sont là pour faire tout le sale boulot des Occidentaux. C'est ce qu'ils sont en train de faire en RDC. Vous-même, vous avez entendu Sarkozy quand il est parti en RDC, quand il était encore président de la République. Il a dit que les terrains sont vastes en RDC ici, là, il faut partager. Hein? Donc, il faut vraiment balkaniser la RDC, donner une partie au Rwanda. Donc, ce n'est plus la RDC. Aujourd'hui, ils sont au Congo. Quel est ce peuple-là qui veut toujours brouter l'herbe chez les autres? Hein? Bon, les amis, ok. Vous dites à Mabiala qu'il aille chercher les terres à Makabana, qu'il donne à Sassou, qu'il donne à ses Rwandais. Pas les terres de mes ancêtres. En tout cas, cette fois-ci, là, les Luango ne vont pas se laisser faire. Les Congolais résistants, ceux qui se disent résistants, du 24 au 17, Coline Makoso est là. Il est venu avec son futur président, Christelle Sassou Nguesso, sur ses épaules. Ils viennent pour rencontrer le MEDEF. On va rester chez nous en train de dormir. On va rester chez nous en train de dormir. Je vous pose la question. Hein? On va les laisser venir ici, là, fouler le sol de France, là, librement, vaquer à leurs occupations, librement, pendant que les Congolais ne sont pas libres chez nous. Non. Changeons la mentalité. Sortons de la peur. Vous voyez, l'indépendance commence par là. Sortir de la peur. Le jour que les Congolais n'auront plus peur, advienne que pourra. Hein? Seule la lutte libère. Le jour que les Congolais n'auront que ces mots-là dans la bouche, on aura tout gagné. On aura gagné et la bataille et la guerre. Le Congo sera vraiment libre. Tant qu'on a encore des gens qui ont peur de mourir pour leur pays, ah oui, parce qu'on n'a pas de patriote, hein.
Le Congolais n'est pas patriote. Le Congolais ne vit que pour son ventre. S'il faut être derrière un grand là au pouvoir là, tant que le grand là lui donne un petit 200 euros quand il passe là à Paris là, il ne veut plus s'afficher avec grâce. Moi aujourd'hui je n'ai plus d'amis. Les amis ont maintenant peur de moi. Même quand tu appelles là, elle veut écourter la distance parce qu'elle a même peur qu'on écoute notre conversation depuis la France, que Sassou écoute notre conversation avec elle. Parce que oh grâce, tu t'es trop affiché. Parce que elle, quand ces grands-là viennent en France ici là, elle a un petit 200 euros. Vous voyez la mentalité des Congolais. Comment voulez-vous qu'on devienne des patriotes? Comment voulez-vous que moi, grâce Lumba, que je recherche l'unité nationale? Comment? Quand on a un peuple qui est là, qui peut faire se contenter des miettes, tant qu'elle, elle peut manger les miettes qui sortent de ces hommes au pouvoir là, elle est tranquille, pour elle, la vie est belle. Et quand nous, on vient parler de notre Luango, on vient parler que tout le monde rentre chez lui, allez arranger chez vous, vous dites qu'on est des tribales. On ne veut pas de l'unité nationale. Il y a des gens qui ne veulent plus partager mes vidéos à cause de ça. Parce que grâce à dit, quittez Pointe-Noire, allez dans vos régions. Mais c'est ça. On n'a pas de vrais patriotes au Congo. Et vous voulez quoi? Hein? Puisque vous, aujourd'hui, vous êtes en train de faire le chacun pour soi, Dieu pour tous. Et pourquoi vous ne voulez pas que nous aussi, qu'on fasse aussi le chacun pour soi, Dieu pour tous? Ah, c'est parce que vous êtes content de vivre à Pointe-Noire, à Pointe-Noire vous êtes libre, à Pointe-Noire vous profitez de la mer, à Pointe-Noire vous profitez du beau soleil, au bord de la plage, dans les grottes de Diosso. Hein? Mais il y a de l'espace partout, au Congo, il y a de l'espace. Allez à Gamboma là-bas, c'est beau, il y a de l'espace partout. C'est pour ça que je ne comprends pas cet acharnement sur les terres du Luango. Il y a de l'espace partout. Allez dans la cuvette là, il y a des plaines qui ne sont même pas occupées. Pourquoi le Luango? Et vous ne voulez pas qu'on parle? On pille toutes nos richesses. On pille notre pétrole. On pille tout. Même les bateaux. Même les bateaux. Hein? Qui circulent là dans la mer là, appartiennent aux Moshi et aux Chinois. Les villes n'ont rien de tout ça. De tout ça. Et vous voulez pas qu'on parle? Vous voulez pas qu'on parle, excusez-moi? L'unité nationale va commencer lorsque chacun va rentrer chez lui, va cultiver la terre, va travailler la terre. Dieu nous a donné une terre riche. Ils sont allés jusqu'à détruire, à déverser des pesticides, des produits dangereux pour la culture. Hein? Dans le poule là-bas, alors que le poule nourrissait tout le pays. Aujourd'hui, notre génération ne veut, notre jeunesse aujourd'hui ne veut pas pratiquer les champs, ne veut pas faire les champs. Tout le monde veut être politicien, tout le monde veut être député. Alors que Dieu nous a donné une terre fertile, un Congolais aujourd'hui ne peut pas mourir de faim. 60 ans après les indépendances, les Congolais meurent de faim. Vous célébrez quoi aujourd'hui? Vous avez célébré quoi aujourd'hui? Vous avez célébré quoi? La misère, la faim, l'échec des Congolais? L'échec de mes compatriotes qui sont à Pointe-Noire après le bac, qui ne savent pas où aller? Qui ne savent pas où aller? Hein? Je suis obligé d'envoyer au moins 4 personnes à Abidjan faire des études que je dois prendre en charge. Parce qu'ils ont le bac depuis l'année dernière, ils font rien, ils sont assis à la maison. Hein? Est-ce que vous pensez à notre santé? On est obligé de cumuler des heures de travail. Et vous voulez que nous, on parle de l'unité nationale? Je suis en train de détruire ma santé parce qu'on a des charges en Afrique. Parce que notre gouvernement a démissionné de ses droits en tant qu'État. Et vous voulez que les gens ferment la bouche. Vous voulez que les gens ne parlent pas. Et vous êtes là assis en train de faire la fête. C'est la belle vie là. Tu les vois là maintenant là. Tout le monde est à la plage. On a la plage. Venez nous, on va vous parler de la plage. Parce que nous on est nés dans la plage. On est nés dans la mer. Venez, on va vous montrer comment on met un maillot de bain. Ils sont là, c'est toutes les photos qui sont sur Facebook là. Vous ne me verrez jamais, j'ai fait des belles photos à la plage, je ne les mettrai jamais. Je ne viendrai pas afficher mon corps comme ça là, sur les réseaux sociaux. Franchement, nos mamans nous ont élevés dans la dignité, la femme elle doit cacher son corps. Tout ce qui est caché est précieux et sacré.
Toi, tu prends tout, tout, tu prends tous les avantages que Dieu t'a donné. Tu viens là, tu viens livrer ça sur les réseaux sociaux. Eh, moi, si faut omilinga. Moi, si faut linga nzoto, na faut battre la nzoto. Ce qui est caché là, c'est précieux. Tout le monde veut découvrir. Hein? Tout ça, c'est la mentalité, c'est le complexe qu'on a. Vous voulez montrer et pâter ceux qui sont au pays là-bas. Comment on a la plage et on a comment mundele. Oh, comment mundele était. Aux autres, ça, les mecs qui suivisme. Et ça, complexe. Complexe, les autres, tu n'as pas de salaire, il y a parce que le salaire, on a un beau côté. Allez, comme au salaire, il y a un beau côté, aux autres, salaire, on a poto, au monica, à qui on réussir. Oh, oui, comme ma voiture, on a poto, au monica, on réussir. Et vous êtes là, vous affichez vos biens, et c'est ce qui crée de la convoitise à nos frères qui sont au pays, qui pensent que eux aussi, quand ils viendront, les voitures seront à leur disposition, tout sera à leur disposition, et vous n'êtes pas capable de dire à ceux qui sont en Afrique que la vie est difficile en France. Hein? La France ne donne plus de papier. Les inscriptions, c'est devenu un casse-tête avec leur parcours sup. Allez cultiver sur place là-bas. Il vient nous parler de l'agriculture aujourd'hui, là, ce dictateur Sassou là. Hein? Qu'il n'a pas renoncé, ce sont les Congolais qui ne veulent pas. Il veut mettre la responsabilité. Regardez-moi un chef d'État qui n'est même pas un irresponsable numéro zéro. Et ce sont des gens comme ça qui nous dirigent. Ça là, les amis, il y a trop de choses à dire. En tout cas, je n'ai rien à apprendre à qui que ce soit sur ce qui se passe au Congo. Voilà. Quand on parle, c'est pour essayer de réveiller les gens. Et moi, j'ai toujours dit, mes frères, vous avez beau avoir des beaux diplômes, des beaux français, des machins. Mais moi, je suis une femme. Quand je parle, mes enfants écoutent. Voilà. Mes enfants écoutent. Entre un message qui est dit par un homme et un message qui est dit par une femme, ils ont la tonation mon côté. Il n'y a pas la même tonation. Voilà. Donc, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et mon frère Mangwa, je te vois pas. Toi qui m'as forcé à faire le direct. Toi qui cherchais le direct, je te vois même pas sur le direct. J'imagine que Olembi Koyiba Wifi, quoi. Il me suit depuis le Congo. Hein. Il est très motivé, ce frère-là. Il me suit depuis le Congo, depuis avant-hier là. Maman Grâce, tu fais pas de direct. Mais je te vois pas. Tu m'avais dit que tu serais là dans le direct. Hein? Olembi Koyiba Wifi dans centre-ville à Brazza. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'est ça le Congo. Faut qu'on y va. Donc, il y a des frères qui sont obligés d'être, pour être connectés, faut aller mendier, qu'on y va, bah, wifi, au centre-ville, il reste jusqu'à des heures tardives, il vit au fond de filou, là-bas, là où il n'y a jamais d'électricité. Mais il est obligé de rester jusqu'à des heures tardives au centre-ville, là-bas, pour avoir la wifi, pour être connecté avec l'étranger. Et ça, là, cahier, moi, bien, moi, moral, il y a bien. Et vous voulez que dans un pays comme ça, là, les gens se taisent. Ça? Sauf qu'il m'en grâce à le bio, oh, beaucoup mieux, bah, tribaliste. Na lingi qui tribalise moi là parce que bandi na ngate et bandi na sasuna banana e. Voilà. Donc si vous voulez que je parle de l'unité nationale, vous les moches commencez à dire à faire de l'unité nationale votre cheval de bataille au Congo, à renoncer déjà au vol, au détournement de fonds, tout ce que vous avez volé, tout ce que vous avez planqué ici dans les paradis fiscaux. Commencez déjà par rapatrier cet argent, payer les salaires des gens. Qu'on ne vienne pas nous dire que les salaires, les fonctionnaires seront payés par la volonté du chef de l'État parce que le salaire c'est un dû. Le salaire, c'est un dû. Prenez cet argent-là. Commencez à payer les retraités. Commencez à équiper nos hôpitaux. Là, on va comprendre que vous avez le souci du Congolais. Nous autres, là, on va fermer nos bouches. On va vous applaudir. Merci, les amis. Bonne soirée. Bye bye.